cette histoire assez ancienne, mais il y a 2-3 ans, tout d'un coup, on a vu Angel Fall revenir répéter ici. On était très content de revoir Julien, et puis avec donc une nouvelle équipe, et ce nouvel album qui, si je comprends bien, sort ce soir. Donc voilà, deux histoires longues en fait, celle de Nosfell que je vous ai racontée, longue mais un an, et une histoire très très longue qui se poursuit ici. Je crois même qu'on a tourné un des clips de l'album d'Angel Fall pendant l'hiver. Donc voilà, on a voulu en fait marquer ce début de saison avec des projets qui n'arrivent pas le matin et qui repartent le soir, mais qui s'installent dans la durée à la clé, parce que c'est un petit peu ça l'idée de notre projet. C'est mon manager en fait qui travaille beaucoup avec le directeur de la clé sur différents projets, et il m'a dit qu'il était possible de faire une résidence dans ce lieu. Par ailleurs, c'est un lieu que je connais parce que j'ai souvent vu des concerts à la clé, et j'ai même déjà été en résidence en tant qu'invité par des amis qui eux étaient en résidence et qui m'ont invité, donc on est resté une semaine à travailler un répertoire. Alors l'objectif artistique, c'est de mettre en place une création lumière avec l'éclairagiste avec lequel je travaille depuis toujours. Donc on met un peu tout sur la table, je lui parle des nouvelles chansons, il y a un album qui sort fin septembre. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut porter cet album sur scène, et ensuite de monter un répertoire quand même augmenté avec les nouvelles chansons, mais augmenté d'anciennes chansons réadaptées avec le groupe actuel, et qui là une première pour moi, puisqu'on joue à quatre, on est quatre musiciens sur le plateau. Donc c'est batterie, ensuite il y a deux personnes qui jouent deux instruments chacune. Donc Vincent Brulin joue du clavier polyphonique et de la guitare, et Frédéric Gastard joue du saxophone basse et du clavier monophonique basse. Donc lui, il a en charge les fréquences basses, et l'autre a plutôt en charge l'harmonie, les harmonies à plusieurs voix, et moi guitare-voix, ou voix parfois, juste la voix. C'est vraiment ce dont j'ai envie sur cette tournée, c'est d'arriver
à juste chanter, être plus aussi disponible pour l'audience et aussi à avoir envie de me connecter davantage avec l'audience parce que dans les tournées que j'ai faites ces 15 dernières années, je gère beaucoup de choses sur scène assez techniques et presque parfois un peu technologiques. Et là, j'ai envie que ce soit vraiment, comme disent les Anglais, plug and play. Quoi. J'arrive sur scène, je branche la guitare, j'ai un son et je chante et j'ai un son. Ça sert à, outre le fait que ce soit comme, que c'est quand même nécessaire pour mettre en place un répertoire, répéter sur scène en condition live, c'est important de, pour régler la lumière, pour régler des déplacements sur le plateau, pour discuter, monter une équipe, resserrer les liens, parce que c'est important de passer des journées entières ensemble, où on partage une table, on mange ensemble, on discute, on passe du temps, il y a quelque chose de familial, enfin en tout cas moi j'y tiens, c'est très très important d'être voilà, comme ça en immersion et de partager plusieurs moments du quotidien ensemble pour, avec les musiciens, avec la lumière, avec le son, pour parler, pour se détendre, pour parler de rien, pour parler de musique, pour répéter, pour tourner des boutons, chercher des couleurs, essayer des compresseurs, essayer des réverbes, essayer des choses qu'on ne peut pas essayer devant l'audience, parce que devant l'audience, on a envie d'être au point. On a envie de tout de suite être libre et de donner l'énergie, d'être généreux, qu'on soit à l'aise en fait, qu'on soit bien dans nos baskets. Si on me dit j'ai pas de résidence, bah je fais ce que je peux, enfin je m'arrange pour que ça fonctionne sans résidence. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire ce que je pourrais faire sans résidence, mais on répéterait en studio, on trouverait un lieu. Il faudrait accepter peut-être de travailler sans argent, parce que aussi la résidence permet ça, c'est-à-dire qu'on dispose dans notre pays de subventions avec différentes institutions, différents organismes aussi. Donc on postule pour obtenir des bourses pour pouvoir travailler sur la résidence de création. Donc moi c'est ce qui me permet de payer les techniciens, de payer les musiciens et de pouvoir être autonome et que tout le monde soit tranquille et à l'aise dans ses baskets et dans son travail. C'est toujours usant de faire travailler les gens gratuitement, donc ça sert aussi à ça les résidences, à pouvoir travailler. Il y a aussi tout un dispositif budgétaire qu'il faut gérer. Donc c'est une chance inouïe, donc il faut être digne de ça, donc il faut travailler. Donc il faut travailler sur tous les détails au maximum. Puis quand on sort de résidence, bah, on a un objet qui est forcément pas fini. Et puis qui va continuer, c'est du spectacle vivant, donc il faut que ça perdure sur scène. Et il faut que les retours de l'audience aussi, les réactions, l'amour, le désamour, la passion, la colère, toutes ces choses-là, il faut qu'on se nourrisse de tout ça ensuite pour faire évoluer, une première proposition. Sharp on the keyboard and strikes
main d'œuvre, c'est un lieu que je connais, oui. En plus, moi, je suis né à Saint-Ouen. Après, on est parti vivre dans plein d'endroits, mais j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Ouen. Et ce qui a commencé à nous gêner, c'est que ça devenait presque juste l'affaire municipale, l'affaire personnelle d'un maire. Et pas du tout un débat sur les contenus, sur l'intérêt général, sur un projet culturel. Et on s'est dit quand même, en 2017, est-ce que, je sais pas, la démocratie, c'est comme ça que ça se passe? Donc nous, on s'est dit, on va trouver un avocat. Et on veut aller devant la justice, on veut parler de sens, on veut parler de pourquoi on devrait partir, de pourquoi on est là, de pourquoi ça peut être important pour Saint-Ouen, pour les habitants, et avec en arrière-plan pourquoi la culture c'est important, et encore une fois pourquoi la culture c'est important aujourd'hui, c'est pas une question de politique culturelle, c'est une question de vision du monde, de dire que cette humanité, ce matériel invisible, comme dit cet artiste allemand Joseph Beuys, dont on est porteur, qui sont nos imaginaires, nos croyances, nos idées, nos rêves, mais c'est ça qui est fondateur du monde. On ne commence pas par faire des maisons, faire des usines, on commence par être des gens vivants. Et c'est en fonction de nos rêves qu'on crée les choses. Nous, si on n'avait pas rêvé de ces lieux, ils n'existeraient pas. Vous voyez, je trouve qu'on arrive à inverser les choses dans cette société. Et d'ailleurs, nous, on s'était énormément intéressé à la façon dont l'économie existe aujourd'hui, comment l'économie nous a coupé de ce rêve, de ce potentiel créatif, de tout ce qu'on porte. C'est pour ça qu'on s'était emballé pour le produit intérieur doux, pour reprendre possession des mécanismes de comment l'économie fonctionne, de comment on compte, COMPTE les comptes, et comment c'est devenu aussi loin de ce qui compte pour nous, les humains, parce qu'on commence pas par des comptes comptables, non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Commence par, normalement, faire ce qui compte pour nous, c'est ça la politique. Donc on se disait, là, il y a eu un gap, on s'est laissé emporter vers quelque chose sans dire que c'est, il y a quelqu'un qui est coupable et tout ça. C'était, nous, on avait envie de porter cette, un chantier du monde qui soit un chantier créatif. Quoi. Et donc on s'est dit, nous, on a envie de porter ça, de défendre ça et d'aller à la justice pour. Que ce soit la justice qui décide. Et du coup, on a un avocat qui n'est pas là. Mais qui est très motivé. Oui. Et notre bail se termine bien le 31 décembre 2017. On ne sait pas ce qui va se passer au 1er janvier 2018. Just so you know you're one of us and all the men in line is fine, you're one of us. Wherever you may go, they show you're one of us. So you know you're one of us. And all the men in line, it's fine, you're one of us. Give us the pledge on the edge, you'll be one of us. Wherever you may go, they show you're one of us. Two in the saw, three in the J-sock, four in the seal.